una peli y acabamos el que es cierto. Yeah. Mi mejor wingman en Netflix y Mari me funciona estupendo. Dice que no quiere nada, pero tira esa mirada. Los panties son del mismo color que la tirita del sujetador. Estamos en nada, si pierdes la oportunidad de sentir el cielo sin volar. Vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo cuisine, du coup j'avais envie absolument de vous faire une vidéo qu'est-ce qu'on mange ce soir, donc des idées pour le soir, pour le repas. Alors du coup je vais vous montrer, pour ceux qui ne le savent pas, moi je cuisine que le soir, comme ça au moins je fais en grosse quantité et il en reste pour le lendemain midi si les enfants sont là, sinon quand ils sont à la cantine bah, il reste à peu près une portion pour moi ou pour Walid. Donc du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées. Si jamais vous avez des idées de repas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra toujours aider du monde, puisqu'on est toujours en quête d'inspiration pour les repas. C'est vrai que c'est la question qu'on redoute le plus en tant que maman, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir. Des fois carrément ça nous met les nerfs. Moi je me rappelle qu'avant, quand je faisais pas mes menus, à chaque fois Walid me disait bon on mange quoi ce soir, et j'étais là en mode mais arrête de me poser cette question, je la supporte plus cette question. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des menus et c'est aussi pour ça que je vous fais ce type de vidéo, pour vous donner plein d'idées. Donc c'est parti, let's go. On va commencer par la première recette qui va être un chili con carne, puisque cette soirée là on avait fait une soirée mexicaine avec des chips et tout. Vous allez voir que je fais quasiment tout avec le cookéo, enfin même les cookéo parce que j'en ai deux. Il y en a un qui a été offert par la marque et un que j'ai eu pour Noël, du coup j'ai les deux mais il faut vraiment que je revende le premier, donc le blanc. Donc on va commencer par préchauffer notre cookéo. Je vais émincer les oignons, donc là j'ai décidé de prendre un oignon rouge pour donner un petit peu plus de saveur, mais vous pouvez totalement prendre un oignon blanc, il n'y a aucun souci. Et après on va le faire un petit peu rissoler dans notre cookéo et ensuite on rajoutera la viande, donc moi pour le coup ça va être de la viande hachée. En cuisine, ce qui est important, c'est de ne jamais perdre de temps. Donc là, pendant que les oignons sont en train de rissoler, donc juste avant de mettre la viande, moi je vais en profiter pour couper mes tomates en cubes, comme ça elles seront prêtes et une fois que j'aurai besoin de les incorporer, ce sera fait. J'aurai pas besoin, pardon, de perdre du temps à tout recouper par la suite. Je vais rajouter également de la coriandre. Alors là j'avais pas de persil frais, je vais en rajouter avec mon mélange persil ail que j'avais acheté aux États-Unis. Mais si jamais vous avez du persil frais, n'hésitez pas à en mettre. La coriandre, la base, c'est trop bon, ça donne toujours un goût frais. Franchement je pense que c'est mon herbe aromatique préférée, c'est vraiment la coriandre. Mais avec un petit mélange de persil, c'est aussi super bon. Now I'm talking to
you sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you, I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Can we stop the clock and rewind? Go back to that moment in time. When you say you want me for life. On mélange tout, on sale et on va tout faire revenir jusqu'à ce que la viande soit bien bien cuite. On va rajouter aussi les tomates, par la suite je vais mettre du maïs et des haricots rouges. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you, I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Your love, 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 your love. Alors la petite astuce que moi j'aime trop faire, c'est rajouter un petit peu de sauce qui est à la base la sauce pour les chips. Donc là c'est une salsa douce. Si jamais vous voulez du piquant, n'hésitez pas à mettre une sauce piquante. Sinon vous faites comme moi, vous mettez un petit filet d'huile piquante qui vient de chez Action. Mais du coup moi pour la sauce de chips, j'en mets 3-4 cuillères à soupe, pas plus. Vous pouvez rajouter aussi du concassé de tomates si vous voulez. Et du coup ça permet d'avoir une base de tomates. Et si jamais vous mettez une sauce déjà faite, il y aura déjà des épices, donc ce sera super bon. Je vais allumer mon deuxième cookéo, enfin le premier que j'ai eu, celui que j'avais eu pour Noël, pour y faire cuire le riz. Alors pour le riz, il faut le laver 3 fois. Donc moi ce que je fais, c'est que je le lave d'abord 2 fois. Vous voyez, l'eau est toute blanche parce qu'en fait c'est pour enlever l'amidon et pour éviter qu'il colle. Donc je vais faire ce passage-là 2 fois. Et ensuite la 3e fois, je vais pas enlever l'eau directement. Je vais laisser tremper le riz pendant 5 à 10 minutes. Pendant que mon riz est en train de tremper, moi je vais préparer mon guacamole du coup pour les chips. Donc là il n'y a rien de plus simple. Vous prenez un avocat bien mûr, il faut vraiment qu'il soit ultra mûr parce qu'il va falloir appuyer avec une fourchette. Donc il faut vraiment qu'il soit bien bien moelleux. J'utilise ce petit accessoire que j'avais acheté chez Lidl qui est trop bien parce que vous pouvez tout enlever. Le noyau avec les petits pics, vous pouvez racler tout l'avocat en entier sans perdre une seule miette. Franchement il est juste trop bien. Et là comme je vous ai dit, rien de plus simple, vous allez appuyer avec une fourchette sur votre avocat pour que ça devienne en fait comme une purée. Vous allez rajouter un petit peu de jus de citron, du sel, de la coriandre et un petit peu de paprika. Une fois qu'on a fini notre guacamole, normalement notre riz a bien bien enlevé tout son amidon. On va enlever l'eau. Moi je vais le passer au cookéo. Je vais rajouter de l'eau sur le dessus. Je vais mettre aussi un petit filet d'huile piquante, donc celle qui vient de chez Action. Je vais bien mélanger et je vais laisser cuire. Oportunidad, es
et je vais préparer mon petit plateau pour les chips. Alors d'un côté je vais mettre les chips sour cream, donc c'est la crème fraîche, et de l'autre côté celles qui ont le goût barbecue. Je vais mettre deux petits bols, donc l'un avec mon guacamole et l'autre je vais rajouter la salsa douce que je vous avais montré juste avant, que j'ai mis dans mon chili. Comme ça tout le monde peut se servir, tremper ses petites chips dans la sauce, et ça fait vraiment une soirée super conviviale. La cuisine mexicaine, mais qu'est-ce que c'est bon. Je vous dis pas, comme à Miami je me suis régalée, c'était vraiment magnifique et j'aime trop refaire chez moi. J'ai l'impression que ça n'a pas vraiment le même goût puisque c'est des produits qu'on trouve en France, etc. Donc c'est pas pareil, mais vraiment genre ce type de cuisine c'est magnifique. Ensuite pour mon chili, j'ai rajouté un petit peu de persil lyophilisé dessus et je vais rajouter un petit peu de crème de vinaigre, ça c'est juste pour donner un petit goût et puis faire de la déco, et voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer à notre deuxième plat, donc qui va être du poulet au citron avec des haricots verts. Donc ça c'est un plat ultra simple à faire. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pressé deux citrons pour avoir un jus quand même assez conséquent. Si jamais vous n'avez pas de citron ou vous voulez pas en presser, vous prenez, vous savez, les petites bouteilles, ça ira très bien, c'est vraiment pour donner le goût. Et là je vais préparer du coup mon poulet pour le faire mariner. Donc là j'ai décidé de le couper en aiguillettes, mais si vous voulez le couper, enfin le laisser soit en escalope soit le couper en petits dés, vous faites comme vous voulez. Je trouve que c'est quand même plus simple avec des aiguillettes, surtout avec les enfants. Donc je vais tout mettre dans mon saladier. Je vais rajouter un oignon, un mélange citron et ail que j'avais acheté aux États-Unis. Je vais rajouter de la moutarde à l'ancienne, évidemment mon jus de citron, un peu de sel, et on va laisser mariner notre viande comme ça. L'idéal, ça reste de mariner toute la nuit. Moi, là, ce soir-là, j'avais pas le temps, j'ai laissé mariner une heure. Une fois que notre viande est marinée, il n'y a rien de plus simple. On va prendre soit le cookéo comme moi, soit une casserole, hein, ça ira très bien. On va mettre de l'huile au fond qu'on va laisser chauffer. Ensuite, on va poser notre poulet avec la marinade et on va laisser cuire. C'est aussi simple que ça. De l'autre côté, je vais faire cuire mes haricots. Donc j'ai pris des haricots vapeur que j'avais acheté en grande surface qui sont surgelés. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive et je vais les mettre à cuire. Pour les haricots, je vais rajouter du sel et ce petit mélange onion butter qui est en fait du persil avec de l'oignon, et c'est salé aussi, que j'avais acheté pareil aux États-Unis, mais l'autre fois en allant à la boucherie j'en ai trouvé aussi. Et pareil, je vais saler aussi mon poulet. Voilà, on a juste à laisser cuire. Comme je vous ai dit, c'est aussi simple que ça. C'est un plat qui est quand même varié. Moi, mes enfants, ils adorent les haricots verts. Pareil pour les brocolis, donc je sais que c'est toujours une valeur sûre. Et vous accompagnez ça simplement avec une viande. Moi, j'ai décidé de ne pas mettre de crème pour que ça reste quand même un petit peu plus healthy. Mais si jamais vous voulez que votre viande soit dans une crème, dans une base de sauce, vous pouvez tout à fait rajouter de la crème. Il n'y a aucun souci. Keep looking like you, I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you as someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself.
put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. Et en guise de déco et d'accompagnement, j'ai rajouté des petites tranches de citron. Donc voilà ce que ça donne. On se retrouve le troisième soir, donc cette fois-ci j'avais des petits acolytes avec moi, je leur ai mis à faire du coloriage. Si vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà, je vous les ai déjà montrés. C'est vraiment une activité qui les calme. Et pendant ce temps, moi j'étais en train de faire à manger, donc je vais faire des crêpes. Donc voici la recette sur laquelle je me base, on va dire, pour Magimix. Je vais juste pas rajouter le rhum, je vais juste pas rajouter, je crois qu'il y avait du sel ou je sais plus. Moi je vais simplement faire la base basique, on va dire, donc avec la farine, le lait, l'huile et les œufs, c'est aussi simple que ça. Et après, je vais mettre sur le mode crêpe, donc du Magimix, et je vais tout mixer. Ensuite, je vais faire chauffer ma crêpière. J'ai rajouté de l'huile, mais j'en ai trop mis. J'ai essayé d'étaler au max, mais j'en ai trop mis. Donc après, je me suis dit, c'est pas grave. La première crêpe, elle est toujours ratée, donc c'est pas trop grave. Mais voilà, sinon, moi, je huile ma plaque. Je prends un petit pinceau pour pouvoir étaler de partout. Je fais plus au papier parce que je trouve que c'est pas bien. Je préfère largement le faire avec un petit pinceau. Et ensuite, on va retourner la crêpe. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire toutes mes crêpes dans un premier temps. J'essaye de toujours laisser une des parties des crêpes pas trop cuites parce que justement après je vais les repasser sur la poêle, donc faudrait pas qu'elles soient cramées, donc c'est la petite astuce. Mais sinon quand je fais des crêpes salées, je fais tout le temps la grosse fondée de crêpes et par la suite je vais les garnir. Ensuite, pour garnir mes crêpes, c'est tout simple. Là, je vais mettre du gruyère, je rajoute une tranche de jambon, je vais plier la crêpe. Alors des fois, je fais juste ça et du coup, je la plie en deux et c'est réglé. Mais là, je voulais rajouter un œuf. Donc du coup, je vais la plier sous forme de carré et je vais rajouter un œuf. Je vais laisser un petit peu cuire. Ensuite, je vais retourner la crêpe pour que l'œuf soit bien cuit sur le dessus. Et on accompagne ça d'une petite salade avec des tomates cerises, toujours ma crème de vinaigre parce que j'aime trop ça, un petit peu de persil sur le dessus. Et voilà, ça c'est un repas express mais qui plaît à tout le monde, qui prend vraiment pas du tout de temps à faire. Ce qui est bien, c'est que du coup, si vous reste des crêpes, vous pouvez aussi utiliser les crêpes pour le dessert, forcément avec du Nutella, de la confiture, du sucre, sirop d'agave, etc. Donc c'est vraiment trop bien. Moi, j'aime trop faire ça quand j'ai la flemme parce que je sais que ça, tout le monde va manger et qu'en même temps, bah, ça va me prendre juste 5 minutes à faire. One of those lucid dreams. Oh yeah. Wait. You gotta tell me what you did. Et maintenant on se retrouve pour la dernière recette. Alors c'est pareil, c'est du simple. Moi en ce moment je vais vraiment à l'essentiel. Donc je vais faire un taboulé. Donc je vais commencer par m'occuper de la semoule. Donc pareil comme le riz, je la lave. Donc c'est vraiment important, vous allez voir, il y a plein de poussière dans la semoule. Donc je la lave 2 à 3 fois, ça va dépendre. Je regarde par rapport à l'eau que je mets dedans, comment l'eau ressort. Là il me semble que je l'ai lavé 3 fois, j'aime bien mélanger. Par contre faut pas trop laisser la semoule dans l'eau comme j'ai pu faire avec le riz, parce que sinon ça va la faire gonfler et elle va être à moitié cuite, donc c'est pas le but. Une fois que je l'ai bien nettoyée, je vais rajouter de l'huile d'olive, du sel, je vais bien mélanger et ensuite elle va passer directement à la cuisson. Moi je fais une cuisson à la vapeur, c'est la base. Je sais qu'il y en a qui mettent de l'eau chaude, ma mère elle faisait ça.
Il y en a qui trouvent qu'il n'y a pas de différence de goût. Moi, je trouve qu'il y a réellement une différence de goût quand on met juste de l'eau chaude dans de la semoule ou quand on la fait cuire à la vapeur. À la vapeur, elle est vraiment meilleure. Elle est moelleuse. Elle est super épaisse. Les grains, vous allez voir, ils vont gonfler. Enfin, vraiment, le couscous, enfin, la semoule à la vapeur, c'est juste la base. Donc, pareil, je la fais au Cookéo. Donc, je rajoute un petit peu d'eau dans le fond de mon Cookéo et je vais la laisser partir. Donc là, j'ai mis 5 minutes et ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin, une fois que la vapeur était finie, parce que j'ai mis en vapeur boost, j'ai laissé quand même dans le Cookéo fermé et du coup, le reste de la vapeur qui se trouvait dans la cuve a fini de cuire. Donc en fait, il faut à peu près 10 minutes pour la faire cuire. Chose très importante, une fois que vous avez ouvert le couvercle, il faut bien le drainer avec une fourchette pour éviter que ça fasse des boules et des tas de semoule. Et comme ça, vous allez avoir vraiment une soupe super aérienne. Pendant que la semoule est en train de refroidir, c'est un petit peu de la froid. Je vais couper donc, tout ce qui est tomates, concombres, les herbes. Vous allez voir, je vais aller chercher ma mâche comme coriandre, coriandre, etc. Donc, je vais couper cette étape-là à ce moment-là. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Possible? How could we let love go? How could we move on? Concombre et ensuite dans la longueur aussi, comme ça je vais avoir des feuilles de menthe vraiment super fines. Dans le taboulé, je mets aussi du jus de citron. Donc là, je vais faire mon propre jus de citron, évidemment, avec mes citrons. Mais si jamais vous n'en avez pas, pareil, je trouve que les petites bouteilles en forme de citron, justement, sont aussi pas mal. Une fois que ma semoule a refroidi, je vais la rajouter dans mon taboulé. Je vais tout mélanger. Je vais rajouter de l'huile, du sel et évidemment le jus de citron pour vraiment faire une espèce de vinaigrette et que du coup mon taboulé soit assaisonné. Donc comme vous voyez, pareil, ça c'est une recette ultra simple qui prend juste 5 minutes, enfin 5 minutes, façon de parler, à faire, mais qui régale tout le monde et surtout super fraîche pour l'été.
Et ensuite, puisque c'est l'été, j'ai décidé de faire un barbecue. Donc j'ai fait simplement des chipots latte. Il y avait des chipots aux herbes, je crois, et des chipots au fromage. Donc tout simple, je vais les faire au barbecue, dans la grille, pour que ça aille plus vite. Et voilà, ça sera l'accompagnement pour le taboulé. Et voilà ce que ça donne pour mon petit taboulé avec les chipolatas. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji cœur rose. Et si jamais ça vous a plu, dites-le aussi en commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre un like et à vous abonner. Et je vous fais plein de bisous.